Bel bonjour, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Oh, mais c'est qu'il manque pas nos petits accessoires là? Bien sûr que si. Là, on est mieux, oui. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. On va récupérer une cendre de guerre qui va améliorer énormément les DPS et favoriser le saignement. Une des meilleures cendres de guerre pour ça dans Elden Ring. Voilà, donc pour les samouraïs, pour les petits chevaliers là, ceux qui jouent là, l'épée là, le katana. Là oui, cette cendre de guerre est indispensable. Donc les amis, par contre, il faut avancer dans l'aventure. Hein. Il faut arriver dans la cime des géants. Petit tutoriel. Donc je vais pas vous montrer tout le chemin. Juste pour vous dire qu'au début, on spawn par ici. Voilà. Et on va remonter dans le nord, comme ça, jusqu'à la cime des géants. Je vous fais pas le trajet, on connaît Elden Ring. Voilà. Donc, rendez-vous à ce petit site de grâce, juste ici, au lac gelé, où se trouve un dragon, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas tué. Voilà. Donc, on se retrouve à ce site de grâce. Voilà. Hop. Ouh, avec mon petit stuff, là. Donc, là, en fait, j'arrive sur la fin du jeu, et j'ai voulu m'équiper d'un build de saignement. Voilà, mais là j'ai dit on va se faire plaisir. J'ai monté deux belles épées et on va récupérer une petite cendre de guerre qui fait plaisir. Et autant vous la présenter en vidéo. Donc, vous connaissez ces petits scarabées invisibles? Je suppose que vous connaissez la mécanique parce qu'on les a croisés plus d'une fois dans l'aventure. Donc, au lieu de leur courir après, on va se mettre à côté de cet arbre. Putain, je les one shot, c'est pas beau ça. On se met à côté de cet arbre. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas enregistré la vidéo. Et là, ça m'aurait fait mal au cœur. Donc juste, vous avez vu le gameplay de toute façon. Juste à côté de l'arbre, on se met pile sur le chemin. Et on le one, les gars. On le one. Ok? Donc on va de suite équiper cette petite cendre de guerre et je vais vous montrer. Mucha bella. Donc une fois que vous avez équipé votre cendre de guerre, rendez-vous à un petit spot où il y a du mob. Hop, ça serait bien peut-être de activer le saignement. La cendre de guerre, c'est poupou. Donc là, les amis, max de DPS, max de saignement. Sur ce, amusez-vous bien. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Drizou. Ciao.